Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Un sujet important qu'on va aborder aujourd'hui en vidéo. Quand vous avez de l'air froid qui rentre par votre hôte, vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui a ce petit souci. Alors, fort de 30 ans d'expérience, on va vous expliquer comment résoudre ce problème. Alors, c'est extrêmement simple, mais ça doit être bien monté. Donc également, je vous invite pour des renseignements techniques ou simplement le placement de votre hôte à passer nous voir en magasin et vous aurez des conseils professionnels et vraiment adaptés à vos besoins. On a 30 ans d'expérience dans les hôtes, on est vraiment spécialisé là-dedans, c'est pour ça qu'on se permet de vous montrer un peu les choses que nous faisons et qu'à mon avis, nous devrons certainement faire chez vous. Donc là, on a placé une hôte sans son cache de buse. Il existe des clapets anti-retour. C'est extrêmement important, les clapets anti-retour. À quoi ça sert? On le met à la sortie du moteur et vous avez vraiment l'air de votre hôte qui va pousser le clapet anti-retour quand la hôte fonctionne. Et quand la hôte ne fonctionne plus, ça redescend. Vous avez également un joint, ici, un joint qui isole et qui empêche l'air de passer. Alors, nous avons également des très très bons clapets anti-retour. On se fournit chez Novi, une des plus grandes marques européennes en hôte. Donc, quand on les place, c'est à vie. On ne change plus le clapet anti-retour de votre hôte. Il est bien évidemment très très important d'avoir une grille extérieure de qualité. Alors, la grille extérieure, on ne place plus de grille en plastique à l'extérieur d'une maison. Tout d'abord parce que les hôtes que nous plaçons sont souvent puissantes. Et donc, les grilles en plastique, les petites ailettes se font simplement éjecter. Donc, c'est très important. Nous plaçons des clapets en aluminium à l'extérieur. Clapets en aluminium anodisés, donc elles ne bougent pas avec le temps. Les ailettes s'ouvrent en même temps quand la hôte vient pousser dessus. Et vous avez vraiment un clapet extérieur de qualité qu'on ne changera plus. Donc si vous combinez un bon clapet extérieur, un excellent clapet anti-retour et une bonne hôte, vous n'aurez plus jamais de soucis. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, laissez des commentaires sur YouTube, Facebook et Pinterest pour nos tableaux. À très bientôt pour d'autres trucs et astuces en vidéo et certainement en magasin. À bientôt. Ciao.